grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons nous soumettre toutes nos pensées. Nous voulons te dire merci pour toutes les belles choses que tu nous permets de vivre. Nous te bénissons également pour les épreuves, Seigneur, auxquelles tu nous soumets. Nous voulons, Seigneur, par les épreuves, tirer des enseignements qui nous permettront de poursuivre, Seigneur, correctement notre route. La vie chrétienne est une vie, Seigneur, parsemée, Seigneur, d'embûches, remplie d'épreuves, des pleurs, de luttes, de joie, de souffrances. Et nous voulons, Seigneur, de bénir pour cette adresse que tu nous attends. Que toutes nos pensées soient soumises en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
moi, papa. Thank you.
Bonjour. Dans Matthieu, le passage qui parle de la généalogie de Jésus par rapport à la lignée de David. Donc j'avais une question. Pour moi, quand j'entends lignée, je parle de lien de sang. Et le chapitre 1er de Matthieu, donc je vais le lire. Donc, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, on commence par énoncer les différentes personnes qui sont dans cette lignée. Donc, je vais énoncer quelques noms. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. Jusqu'au chapitre 16. Jusqu'au verset 16. Et à partir du verset 16, on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors donc, j'ai eu un petit doute, parce que pour moi, la lignée, c'est le sang, et j'aurais trouvé plus logique que ce soit Marie qui descend de Abraham et donc de David. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Et je voulais faire comme les Juifs, c'est-à-dire répondre par une question. Et à ton avis, Marie est de quelle tribu? Elle était juive. Juive, d'accord. Mais elle avait 12 tribus. Alors, elle était de quelle tribu à ton avis? C'est pas une question piège. Je vais dire la tribu de Judas. Non. Ne parlez pas, ne répondez pas en même temps. C'est une question que je pose à tout le monde. Quelqu'un veut bien répondre en levant la main? La tribu de Lévi. D'accord. Et donc Marie, parce qu'elle était parente, apparentée à Élisabeth, oui. La mère de Jean-Baptiste, qui était avec son mari Zacharie de la tribu de Lévi. Ils étaient lévites. Donc Marie était une lévite. Et ensuite, c'est vrai que elle n'est pas descendante directement de David, dans la mesure où David était de la tribu de Judas. Mais par contre, Joseph, si, Joseph était descendant de Judas. Alors pourquoi la Bible dit-elle que Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il appelé le lion de la tribu de Judas, le roi de Judas? Alors que physiquement parlant, et humainement parlant, il n'est pas directement descendant de David. En fait, je veux vous poser une autre question pour bien répondre à la tienne. Comment sommes-nous devenus enfants de Dieu? Comment? Qui est enfant de Dieu ici? Alors, comment sommes-nous devenus enfants de Dieu? Adoption. Par? Adoption. Par l'adoption, parfait. Qui veut bien me donner un verset? On aime beaucoup la parole, n'est-ce pas? Forcément, il faut aussi des preuves bibliques. Oui, ma sœur. Romains chapitre 8, donc on va le prendre. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Parfait. On aime bien les frères et les sœurs. On aime bien vous voir dans la parole. C'est bien. Romains chapitre 8, verset 16. Il est dit. Oh.
Okay. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Qui va me donner un autre verset qui dit que nous sommes adoptés? Verset 23, frère, tu peux le lire? En attendant l'adoption de notre corps, d'accord? Donc il y a une adoption qui va venir, d'accord? On l'attend, et il y a une autre adoption qui a été accomplie. Donc on va vous faire un exercice pour vous aider à. Il y a un autre passage pour que. Galates 4, 5, tu peux le lire? Le micro, merci. Galates 4, verset 5. Enfin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, enfin que nous recevions l'esprit. Nous recevions l'adoption. Parfait. Éphésiens aussi en bas. N'est-ce pas? C'est très bien. Ça, c'est des passages à connaître. Hein. C'est vraiment la base de la vie chrétienne. Alléluia. Et voilà. Et donc, Éphésiens chapitre 1er. Le Seigneur nous a adoptés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Alors, nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous sommes d'accord? Nous le devenons par adoption. D'accord? Donc, Dieu nous adopte. Maintenant, Jésus-Christ, notre Seigneur, est à la fois homme et Dieu. D'accord? Et il ne nous a pas sauvés à la croix en tant que Dieu. Il nous a sauvés en tant qu'homme. Nous sommes d'accord? Il n'est pas mort en tant que Dieu parce que Dieu ne meurt pas. Il est mort en tant qu'homme. Donc, pour pouvoir parfaitement nous sauver, il a dû s'identifier à nous. C'est-à-dire, ne peut correctement adopter quelqu'un que celui qui a lui-même été adopté. Vous comprenez en fait la logique du Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne peut véritablement consoler quelqu'un qui a perdu sa femme hein, que celui qui a aussi vécu la chose. On est d'accord? Parce qu'on a expérimenté cette souffrance. Hein, celui qui a connu la pauvreté peut mieux aider ceux qui sont pauvres. Parce que la personne est passée par là. D'accord? On va aider l'enfant dans la personne, si c'est possible. Hein. Parce qu'on va vraiment apporter l'enseignement que je fais ce soir. Voilà. Donc, vous voyez que pour pouvoir parfaitement nous adopter, il aurait fallu que Jésus-Christ, homme, soit lui-même adopté, non par le Père Céleste, par Dieu, mais par un humain. Voilà pourquoi Joseph l'a adopté. Vous comprenez? Voilà. Donc Joseph, qui était descendant de la tribu de Judas, a dû adopter Jésus-Christ homme, parce qu'il n'était pas son père biologique, étant donné que Marie a conçu, comme vous le savez, sans le concours d'un homme. Et donc, en l'adoptant, Jésus-Christ homme pouvait aussi facilement nous adopter. Alléluia. Donc, en adoptant Jésus-Christ homme, Joseph, n'est-ce pas, lui a transmis légalement, n'est-ce pas, l'héritage davidique, le trône, le droit au trône. D'accord? Voilà, donc il y a eu un transfert. Et pareil, nous qui sommes adoptés, eh bien, par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que avant, nous étions enfants de Dieu. Ça va vous choquer, mais qu'est-ce qui nous attend? On était d'abord enfants de Dieu. Ensuite, nous sommes devenus enfants du diable. C'est quand tu as créé Adam. Adam était enfant du diable? Non, il était enfant de Dieu. Donc, tous les enfants d'Adam étaient censés être enfants de Dieu. Donc, parce que Adam a péché, eh bien, tous ses descendants sont devenus, enfin, naissent enfants du diable. Alors que notre ancêtre, Adam, était enfant de Dieu avant la chute. Donc, tous les hommes naissent enfants de Satan. Tous. Et comme notre ancêtre était enfant de Dieu avant sa chute et qu'il est devenu enfant du diable,
Eh bien, Dieu a pris la forme humaine et il a été adopté par Joseph en tant qu'homme. Et c'est pour cela qu'il est devenu Jésus-Christ, bien sûr, de ce fait, roi de Juda. Mais en tant que Dieu, il a toujours été roi. D'accord ? Donc, du coup, nous qui sommes adoptés par Dieu, nous pouvons nous réclamer, nous avons une légitimité. C'est-à-dire, nous avons le droit au gouvernement de Dieu. Nous pouvons gouverner. C'est pour cela que le Seigneur disait, voici, je vous donne le droit d'aller voir des pasteurs à chaque fois que vos problèmes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur et sur une partie de la puissance de Satan. Et sur toute la puissance de Satan. D'accord ? De l'ennemi. Voilà. D'accord ? Voilà. Et parce que nous avons été adoptés, nous sommes devenus naturellement des rois. Parce que l'enfant d'un roi est forcément un roi. C'est un prince. Et nous naissons, avec la naissance d'en haut, quand nous nous convertissons, nous devenons des rois. D'accord ? L'adoption. Si deux chrétiens donnent un enfant, il appartient au diable ou bien à Dieu ? Si deux chrétiens donnent naissance à un enfant, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, comme une question, nos enfants sont sanctifiés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais par contre, il faudrait qu'il se décide de lui-même, qu'il décide de suivre le Seigneur. Mais étant donné qu'ils sont petits, quand ils sont petits, ils sont sanctifiés parce que les parents sont sanctifiés, heureusement. C'est pour ça qu'il faut les instruire dès la naissance, dès la conception, commencer à prier pour l'enfant. Et dès sa naissance, on va lui parler de l'évangile. Donc, ils ne naissent pas chrétiens, mais par contre, ils naissent dans une famille sanctifiée. Donc, ils sont de ce fait sanctifiés parce que la sanctification, quand on se convertit, la sanctification nettoie, purifie aussi le sang de Yeshua. La parole de Dieu, le Saint-Esprit purifie aussi notre semence. D'accord ? Voilà. C'est pour cela qu'un chrétien, chrétien ne doit pas utiliser sa semence n'importe comment. Vous comprenez mon langage ? Voilà. Parce qu'elle est sanctifiée. Voilà. Vous comprenez ? Voilà. D'où justement l'interdiction par rapport à la masturbation. On ne peut pas se permettre, comme beaucoup de pasteurs enseignent aujourd'hui, ils encouragent les gens à se masturber. Un chrétien ne peut pas et ne doit pas se masturber. Voilà. Pas de jalousie. Vrai ou faux ? Voilà. Donc, oui, mon frère. Merci. C'est par rapport à... Il y a un verset qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et après, quand on lit dans l'Exode, ils virent le Dieu d'Israël. Pardon ? Ils virent le Dieu d'Israël. Non, même pas sur l'Exode 33, quand on parle de Moïse, et qui dit... Je vais lire avec la vue seconde. Voilà. Verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Ensuite, verset 20. Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir les vivants. Donc là, on est d'accord. On comprend qu'après, Moïse n'a pas vu Dieu face à face. Mais après, quand j'ai lu verset nombre 12, voilà, nombre 12, verset 8. Là, quand j'ai lu, j'ai comparé avec la BBC, donc là j'ai un problème, parce que la BBC seconde dit « Il voit une représentation de l'Éternel » en parlant de Moïse. Mais la BBC dit « Il ne voyait pas une représentation de l'Éternel ». Donc, du coup, avec la BBC, on a l'impression que finalement, il a vraiment vu Dieu face à face, alors que quand on lit les versets, c'est comme si c'était une représentation. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. En fait, ils ont vu, ce qu'ils ont vu, c'est la gloire de Dieu. Quand on dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, le mot face ici signifie aussi présence. D'accord ?
Donc, il parlait avec Dieu dans sa présence. Parce que tu peux parler à Dieu étant hors de sa présence. Je prends un exemple. Dieu est au ciel, sur son trône. Et Satan, il lui parle aussi. D'accord. Mais il ne lui parle pas comme beaucoup l'ont enseigné hier. Comme par exemple, quand on dit que les fils de Dieu s'étaient réunis, étaient dans la présence de Dieu, étaient devant Dieu, et Satan est venu au milieu d'eux. Il y en a qui pensent qu'ils enseignent que c'était au ciel. C'est une insulte. Jamais Satan n'a accès au ciel pour quelque chose. Donc, Satan, quand il parle à Dieu, il est hors de sa présence, il est loin, il est sous terre. En enfer, là il parle, Dieu parce qu'il est Dieu, il entend tout. Dans ce sens-là. Maintenant, il y a les enfants de Dieu qui, comme Moïse, Moïse parlait avec Dieu étant dans sa présence. Donc le mot présence ici en hébreu signifie aussi face. Donc quand on dit Moïse parlait face à face avec Dieu, c'est dans le sens où il était dans sa présence et quand il parlait, comme là on discute, par exemple, je te pose la question, tu me réponds. Alors qu'à l'époque, quand il était question des prophètes, c'était par les énigmes, dans les songes, les visions. Vous voyez, il fallait chercher la face de Dieu pendant quelques jours. Alors que là, avec Moïse, c'était du temps. Hein, donc, il y avait un dialogue. Voilà, tout de suite. Donc, maintenant, là, ils ont véritablement vu cette gloire-là, comme dans les autres 19 et 20. Ils ont vu cette manifestation de la gloire de Dieu. Véritablement. Du coup, la prochaine, pour nombre de tous, quand il dit, il n'a pas vu de représentation. Il a vu la gloire de Dieu. C'est... Bien sûr. La seconde. Diminuer cela, il a dit représentation. Alors que l'hébreu dit la gloire véritablement. C'est pour cela que Moïse, quand il sortait de cette gloire, son visage rayonnait. Parce qu'il voyait vraiment la gloire. Voilà. Mais il n'a pas vu Dieu tel qu'il est au ciel. C'est impossible. Là, tu ne tiens pas. Voilà. D'accord ? Jésus, je me pose plusieurs questions là, parce qu'on dit que le verset qui dit on peut blasphémer contre, si on blasphème contre le Saint-Esprit, je n'ai pas compris quelle est la différence. Si on part du principe que Jésus, Fils, Père et Saint-Esprit, c'est la même personne, comment on peut blasphémer contre le Saint-Esprit? Oh, je comprends. En fait, il a dit dans Jean chapitre 16, d'accord, je vous enverrai un autre consolateur, le grec dit aussi défenseur, bref. Et en fait, ce sont des fonctions que le Seigneur, dans lesquelles le Seigneur se trouve, la fonction du Père, et la fonction de du Fils, l'humain, et la fonction du Saint-Esprit. Mais dans la fonction du Saint-Esprit, Dieu, dans cette fonction-là, nous conduit. D'accord ? Nous convainc du péché, nous enseigne. Dieu, dans cette fonction, nous communique aussi la vie, nous communique aussi les dons, nous communique aussi les fruits. Donc, parce que Dieu est esprit, tout simplement. Tu comprends ? Donc, Dieu qui est esprit, il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu est esprit. Donc, celui qui le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le blasphème contre le fait que Dieu qui nous donne toute cette grâce. Parce que quand on parle de salut, il ne peut pas y avoir de salut sans l'apport du Saint-Esprit. Parce que les vertus comme la foi, la grâce, la bonté, l'amour, tout ça, ne peuvent pas être acquises sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même, parce que son esprit en même temps. Et c'est pour cela que par rapport à cette fonction-là de Dieu, qui nous amène à la conversion également, sans l'esprit de la conversion. C'est celui qui produit la conviction du péché. Donc, vous voyez, cette fonction est quand même importante, est très est capitale, est vitale. Donc maintenant, fouler, comme Hébreu 10 le dit, l'esprit de grâce, il est question de la grâce. Et c'est fouler Dieu, et c'est fouler le Père, c'est fouler le Fils, et c'est rejeter l'ensemble de l'œuvre de la croix. Et ça, c'est grave. C'est par rapport à la fonction, tout simplement. En fait, le blasphème contre là contre le Seigneur Jésus-Christ, l'homme, côté humain, parce que le côté humain devait mourir. C'est normal, il était venu pour cela. D'accord ? Donc, il était venu pour être insulté. Il était venu pour être blasphémé. Il était venu pour être rejeté. C'était, n'est-ce pas, sa mission.
Mais le Saint-Esprit, non. Moi, je dis que quelqu'un blasphème contre le Père. Ah, si tu blasphèmes contre le Père, parce que Dieu est l'Esprit, dans le sens que Dieu est le Père, et Dieu est l'Esprit, eh ben, c'est pareil, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Bien sûr. Dans le sens où il est Esprit. Parce que, et, le, quand le Saint parlait du Fils, celui qui parla contre le Fils, hein, il pourrait pardonner, mais celui qui va parler contre le Saint-Esprit. Parce que l'esprit n'a pas la mission, Dieu en tant qu'esprit, n'a pas la mission d'être persécuté, d'être, comment dire, crucifié, d'être blasphémé, rejeté. C'est pour ça que peut-être qu'il ne fallait pas prendre son nom en main. Mais le Fils devait être rejeté, donc c'était sa mission. Voilà. C'était son. Il a été crucifié, on est d'accord. Il a été, on lui a craché dessus, escarré. Il a gardé le silence comme une nuette devant ce qu'il a trouvé. Parce que c'était sa mission. C'était une mission acceptée. Mais par contre, en tant que Dieu, eh ben, Dieu est le Seigneur et l'Esprit. Aujourd'hui, si tu commences à blasphémer contre Jésus-Christ, en tant que Dieu, eh ben, tu ne seras pas pardonné. Et quand vous parlez de cela, vous comprenez aussi, c'est parce qu'il était sur terre. Oui, mais là, Paul dit, si nous avons connu le Seigneur selon la chair, nous ne le connaissons plus comme ça aujourd'hui. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, ben, il est Esprit. Il est redevenu, il est, voilà, il est glorifié. C'est plus le Jésus-Christ homme, les actes apôtres, les évangiles, humains, vous pouvez toucher comme ça. C'est fini ça. Eux, ils l'ont connu en tant qu'homme physique. Nous, on le connaît en tant qu'esprit. Si tu places contre Jésus-Christ, forcément, c'est contre le Saint-Esprit. Parce que depuis sa mort et sa résurrection, les données ont changé. Bien sûr. D'accord? Une autre question? Ouais. Ouais. Ma question se situe dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur envoie Moïse pour aller sauver l'Égypte. Pourquoi sur la route alors qu'il envoie Moïse? Pourquoi sur la route alors qu'il cherche, alors qu'il va en mission, il cherche encore à le faire mourir, d'où l'intervention de sa femme, c'est Torah qui va. Il a voulu tuer Moïse parce que son fils n'était pas circoncis, alors qu'il était censé le faire. Et c'est pour ça que cette roi a pris une pierre et elle a circoncis l'enfant. Et elle va appeler Moïse les boucles de sang. Hein, les boucles de sang. Voilà. Oui. Sur la résurrection. Alors je voulais savoir quand tu auras la résurrection, est-ce que nous serons ressuscités lors de l'enlèvement avec. Les saints qui ont été avant nous, ou bien ils vont entendre. Au retour du Seigneur, lors de l'enlèvement de l'Église, lors de votre départ, et Paul dit dans 1 Corinthiens 4, ce sont les morts en Christ qui sont ressuscités premièrement. Voilà. Donc ils vont rester jusqu'à ce moment-là. Et les autres morts, Abraham, tout ça, ouais. Ben, eux ils vont attendre. Il faut savoir que le Seigneur reviendra d'abord pour l'Église, dans les airs. Ensuite, il va revenir physiquement pour Israël et pour mettre de l'ordre sur la terre. Et c'est quand il va revenir physiquement sur la terre, avec l'Église, qu'il va ressusciter tous les croyants, n'est-ce pas, d'avant la grâce, non, d'avant la loi et de la loi. C'est-à-dire les Juifs, qui croyaient en Moïse et qui avaient mis leur espérance dans le Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. D'accord. Et ma deuxième question est, Jésus-Christ disait que personne n'est monté au ciel. Alors, ailleurs, on dit que Enoch était monté au ciel et lui aussi était monté au ciel. On n'a pas dit qu'Enoch était au ciel. Enoch marcha avec Dieu, oui. Et Dieu le prit. Dieu l'a pris. Et Élie. Élie, on nous dit qu'il était enlevé dans un char de feu, dans le ciel. Attention, parce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12. Qu'il y a trois cieux. D'accord? Donc, quand le Seigneur dit personne n'est monté au ciel, et dans Jean 3, 13, c'est donc le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel en même temps. En fait, il faut comprendre, vous savez le tabernacle. Hein, il faut comprendre le tabernacle. Il y avait combien de portes, combien d'entrées dans le tabernacle? Trois. Trois.
La première entrée donnait accès au lieu au parvis. La deuxième porte donnait accès au lieu saint. Et la troisième porte donnait accès au sein de saint. Et ces trois portes, n'est-ce pas, nous parlent de Yeshua qui est la porte des brebis. Et Hébreux 10 nous dit que, n'est-ce pas, cette porte-là qui donne au ciel, accès au ciel, n'était pas encore ouverte, inaugurée. Cette route, le chemin. Et bah, c'est pour cela que personne n'avait accès au ciel, où il y a la gloire de Dieu. Aucun homme, ni Élie, ni que ce soit. Élie était arrivé au ciel, comme c'est écrit, mais pas là où il y a cette gloire. Donc il était certainement dans le ciel atmosphérique, le ciel astral, et le paradis, comme Paul le dit dans le Nouveau Testament, où il y a la gloire de Dieu. Donc là, Élie n'a pas été arrivé là, parce que cette porte n'était pas encore ouverte. Donc on suppose que Dieu l'a caché quelque part, parce qu'il y a beaucoup de misère, Dieu l'a caché. C'est parce qu'il fallait que Christ seul inaugure la route. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 14:6, je suis le chemin. Voilà, la vérité de la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc personne, il fallait que le Mashiach meure à la croix pour que l'accès au Père soit ouvert. Voilà. Merci. Amen. Par rapport au blasphème. C'est vrai que des fois quand on souffre, on peut se mettre en colère contre Dieu. Mmh. Et de dire par exemple dans notre cœur, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que c'est un blasphème ? Il n'y a pas de Dieu ? Oui. Ah, c'est ça, tu commences à insulter Dieu. Bien sûr, il faut faire attention. Et ça, c'est un blasphème. C'est tu es sur le chemin. Ah oui, il faut rentrer. Et par rapport à la présence de Dieu aussi, c'est important qu'on cherche la présence de Dieu. Et des fois, on pense que là, on n'a pas. Donc, comme on a cherché. La présence de Dieu, là, si tu mets la Bible, tu pries, tu crains Dieu, cette présence, tu vas pour ça, c'est naturel. Celui qui donne sa vie, qui vient, qui se convertit, a automatiquement la présence du Seigneur. Et ça s'agrandit, bien sûr, en fonction de notre marche avec Dieu. Quelqu'un veut lever la main ici? Oui? C'est bon, tout le monde, ça vous intéresse tout ça? Ça vous éclaire? Voilà. Plus fort, c'est les frères et les sœurs, moi, on a comprendre qui est mon prochain. Qui est mon prochain, c'est mon ancien, c'est mon frère à Christ, et nous autres, dire tout ce qu'ils font dans le monde. Donc, on veut savoir qui est notre prochain. 1 Timothée 4, comment dire, Galates 4, Galates chapitre 6, verset 10. Quelqu'un peut le lire? Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Donc notre prochain, c'est d'abord tous les hommes. D'accord? Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, blanc, noir, jaune, tous, même le meurtrier le plus méchant de la terre, il est notre prochain. Parce qu'un prochain, c'est quelqu'un que tu peux approcher, que tu peux côtoyer, c'est ça l'être prochain. Voilà. D'accord ? Et comme on côtoie les hommes, donc c'est le prochain. Voilà. Et d'ailleurs, les pharisiens posaient, un scribe avait posé une question au Seigneur, qui est mon prochain ? Le Seigneur a parlé de l'histoire du bon. Voilà, donc on connaît. Ensuite, l'autre prochain, c'est aussi, ce sont aussi nos frères et sœurs dans la foi que nous côtoyons régulièrement. Voilà, voilà. Donc on doit faire du bien envers tout le monde. Voilà.